Bonjour à vous YouTube et bienvenue sur Minecraft, l'aventure 100% vegan. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un petit épisode dessus. On est actuellement lundi 18 juillet et c'est un stream un peu sauvage. Donc du coup, je fais un petit épisode comme ça rapidement. On s'était posé, on avait commencé à construire. Oula, notre maison qui est moche, hein. Il va falloir qu'on la finisse, qu'on la fasse très bien. Et surtout, on avait fait les plantations car vous vous rappelez, mais il fallait absolument que, il fallait absolument que nous puissions survivre. Donc, on a planté des carottes, du blé et des betteraves. Voilà, on a fait nos plantations et c'est très bien. Donc là, l'objectif de cet épisode, ça va être un peu de faire un point sur ce qu'on a besoin et ce qu'il faut qu'on fasse. On avait commencé à faire de la déco, on avait commencé à dessiner des pièces un peu dans notre maison. Je pense que on va continuer à faire ça. Je pense qu'il faut déjà bon, fermer le toit, là, c'est évident. Et voilà. Je pense que c'est pas. Voilà, je pense que c'est cool. Je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Et on va le faire. Alors, là, pour fermer cette structure, je pense qu'il faudrait la fermer dans un bois différent. Donc peut-être le bois du sol, peut-être un bois. Bah, pas un bois rouge, mais on n'a pas beaucoup de bois différents ici, à part du bois sombre comme ça et du bois un peu plus clair comme ça. Donc je pense qu'il y aurait moyen qu'on puisse en fait fermer comme ça, en gros. Tout comme ça. Le but serait ici, il faudrait qu'on casse pour faire notre terrasse. Et là serait pareil en fait. Là on fermerait structure en bois, toc 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 toc. Et là, on aurait une mini terrasse aussi, un mini truc en extérieur, vraiment pour faire genre. Mais là, on ferme bien comme ça. Donc, on va aller couper du bois. Je vais aller check dans mes réserves si j'ai pas, si j'ai pas encore du bois clair. Mais. Je ne pense pas si j'en ai là. De toute façon, il va falloir qu'on aille se coucher. Eh, j'ai du bois très clair. J'ai du bois très clair, mais le problème, c'est que j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas assez, je pense. Parce qu'il y a une différence entre ce bois-là et ce bois-là. Il y a une différence entre ce bois-là, qui est du Dark Wood. C'est le même en fait. Hein. Non, c'est le même. C'est le même. Bon. C'est le même, c'est le même. Et ce bois donne le bois clair qu'on a vu. Enfin, qu'on vient de voir. Je vais aller me coucher là, avant que les mobs pop et m'empêchent de dormir. Donc ce bois donne. Ok, on en aura assez, je pense. Allez, go, on y va. On va pas replanter tout de suite, c'est pas très grave. Donc là, on va juste fermer ça. On verra ensuite pour la suite. Ensuite, on descendra nos pièces. Est-ce que j'ai ramené mon lit? J'ai pas ramené mon lit, donc il est toujours là-bas. Vite! Vite! Bon, les mobs, normalement, ne spawnent plus ici, vu toutes les torches que j'ai mises. Ah, mon lit dans mon inventaire. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas juste cette sauvegarde, donc je me souviens pas de quoi et où. C'est un peu complexe. Le lit pour l'instant on va le poser là, hein, la chambre est pas encore définie, je sais pas encore où elle sera. Hop, hop. Voilà. Je sais pas encore où sera la chambre, donc pour l'instant on va juste mettre le lit là, voilà. Hop, on va les fermer là-haut parce que la dernière fois il y a le creeper qui avait spawn, donc pareil il va falloir qu'on mette peut-être des torches, j'en ai plus de torches. Je sais pas comment ça va rendre. En fait, le problème, c'est que du coup, ça vole. Faudrait le mettre là, en fait. Faudrait fermer là. En fait, le problème, c'est que là, ça vole, mais là, du coup, ça fait que le toit est chelou. Bien sûr qu'on a des torches. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il dit on lui? Bien sûr qu'on a les torches. Vous avez de la nourriture? Bien sûr qu'on a la nourriture. Vous avez des duvets? Bien sûr qu'on a des duvets. Mais tu vas la fermer? Là là. Incroyable référence. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors. C'est bien, ça me plaît. Bon, rappelez-vous, on va décorer l'extérieur pour le rendre moins plat après, hein. Ça c'est normal. Donc là, en fait, on va suivre cette ligne là comme ça. Tic, 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 tic. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement.
Ta mère. C'est bon. Voilà. Donc là, là oui. En plus, j'ai plus de clous de bois. Là oui. Là oui. Et là oui. Et ça, c'est bien. Et là, c'est bien. Et là, on va pouvoir caler une porte. Et là, 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 là. Je crois que voilà. Donc là, 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 là. Hop, on va pouvoir caler une porte aussi ici. Qui nous donnera sur la terrasse. Et c'est pas mal. Est-ce qu'on peut pas faire ça? On peut pas casser deux niveaux. Non, ça ferait bizarre avec la porte. Allons crafter une porte. Craftons une porte. Une porte. Ça donne quoi les portes comme ça? Très bien. Très bien. Ça va s'intégrer parfaitement, ma chérie. Alors. Voilà, c'est de la merde. C'est de la merde, comme je pouvais le. Hein, voilà. Donc là, on va mettre juste un escalier comme ça. Et c'est pas mal! Bon là du coup il faudrait qu'on remette du bois bois. Eh mais j'y pense, mais si on fait ça. Si on fait ça au lieu d'avoir ça et ça. Non c'est de la merde un peu ce que je fais là. Genre. Si au lieu de mettre des trucs comme ça, on met des trucs comme ça. Attendez. Genre comme ça. Mais oui! C'est ce qu'il faut faire, non? Faisons ça. Je suis sûr que ça sera mieux. On va déjà faire sur toute la rangée ici et on verra. Mais déjà, normalement c'est bon au niveau. Alors voilà, on va recevoir un diable de craft. À bientôt, il va falloir qu'on aille chercher à manger. Où est mon bois? Là. Donc ça, on en fait des escaliers. Comme ça, voilà, parfait. Et on va placer ça là pour voir. Et pour voir si ça fait bien ou pas. C'est carrément mieux, non? Ah, c'est pas. Ouais, si c'est mieux. Si, si c'est mieux, c'est plus smooth. Plus smooth. Ah, je suis content, je trouvais ça tout seul. Comme un grand. En fait, il est revenu, tu fais quoi? Bah, je continue mon aventure Minecraft vegan. Puis là, je refais le toit. Je refais le toit. Le toit. Va dire au modo que demain on joue ensemble. Je vais leur demander si ça leur convient. Ben oui! C'est parfait. Bon, du coup, j'enlève tout. Et je refais. Ça va. C'est pas non plus trop long. Faites pas les gens comme si vous avez des trucs à faire, quoi. Arrêtez. De toute façon, cette série, c'est que ça. Il faut qu'on remette les torches. D'ailleurs, les torches que j'ai pétées, elles sont là. Toc, toc. On la remettra. La dernière fois, ça spawnait dans mon grenier. C'est un peu relou. Un peu relou. Est-ce qu'on peut en mettre? Ah, du coup, on peut pas mettre de torches. Tu leur diras toi-même. Mais oui, mais ça évite de perdre du temps en fait. Wesh. Oula. Comme ça. Je sais pas. Bon, on verra. Pof et pof. Voilà. Alors, toc toc toc. Je pense qu'on va tout péter, sachant que ma hache va péter. Ma hache va décéder. Je vais juste mettre là pour dire qu'à partir de là, il faut rien que je me mette. Voilà, bon, j'ai plus de hache, je vais leur faire une vite fait. Il faut que je ramène tous mes coffres aussi. On va aller voir les cultures. On va aller ramasser le blé ramassable. Voilà. Touk, touk. Parfait. On va planter le reste. Voilà, à chaque fois, on aura toujours un peu plus de choses. Je l'ai planté là sans faire exprès.
Bah, Tara, je veux te manger, pas te planter, voilà. Et les betteraves, du coup, ça marche comment? Est-ce qu'on peut manger... Ah, 3 seeds pour une betterave. Est-ce qu'on peut la manger crue ou faut la cuire? Faut manger crue. Ah, c'est pas ouf, quand même. Mais on récupère pas mal de seeds pour une betterave, donc c'est pas trop mal. C'est bien. Donc là, on va se refaire une hache. Et on va... Donc, alors, il me faut... Ah, mais j'ai déjà tout ce qu'il fallait, en fait. Je pourrais en faire une là-bas. Bon, c'est pas grave. Donc, tous les coffres, on rangera ça. Mais je le ferai peut-être en off. Je rangerai les coffres. Ça évitera de faire ça en live ou quoi. Oui, du coup, avec les 6 machins, on peut faire du pain. Voilà, 2 pains. Donc, un maintenant et un plus tard. Ça s'adapte à la fée. Toc. Voilà. Là, on va finir de couper ça. Toc, toc. Je savais pas que les haches en fer, ça prenait autant de temps. Je pense que c'était plus rapide que ça. Donc là, ici et ici. Je pense que je vais faire une table de craft en haut. Pas pourquoi j'ai pas fait ce système avant, sachant que j'ai fait le même système en haut pour le toit. Ça semble logique de le faire aussi pour le dessous du toit. Ou même de pas mettre de structure en bois du tout en fait, parce que du coup ça prend de la place. C'est vrai qu'on pourrait laisser juste une structure en pierre et limite faire des escaliers en pierre. Et laisser tout le toit en pierre et pas faire un revêtement en bois comme ça. En dessous. C'est-à-dire que au lieu de faire toit en pierre et revêtement en... Enfin, dessous en bois, on pourrait faire. Mais ça fait des poutres en fait. Ouais, non, ça fait des poutres. Donc c'est RP. Non, ça va. Je vais laisser du bois comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec ça, on va faire une petite table de craft. Encore. On va la poser ici. Et là, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Et est-ce que ça me suffit pour en faire un autre? Parfait. C'est parti. Alors là, plaçage d'escalier. Donc ça se fait jamais comme on veut. Pour l'instant, ça marche. Ça marche. Pareil pour là. Et du coup, c'est beaucoup plus joli. Je sais pas si vous voyez que ça change quelque chose, mais en tout cas, je trouve ça beaucoup plus joli. Est-ce qu'on en aura assez? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression. Malheureusement, non. On n'aura pas assez, il va falloir qu'on ait recoupé du bois. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je pensais qu'on en aurait assez, mais en fait, non. C'est pas grave. On va aller recouper du bois rapidement. Je sais pas quel temps il fait encore. Il fait encore jour, ça va. Donc, il me faut du sapin, hein. C'est ça, c'est du sapin. Donc, on coupe l'arbre, on récupère, on replante. Ça, c'est comme d'hab. Ça, c'est la technique Minerva. Hop. Je vous rappelle, hein. On ne tue pas d'animaux. On ne mange pas d'animaux. Voilà. On replante tout ce qu'on coupe. Ça ne change pas. Là, par exemple, hop, on a la petite pousse. Ici, on en a 7, donc c'est parfait. On peut replanter cet arbre et on peut replanter cet arbre. On va aller se coucher. On va aller se coucher, on va relancer la journée, on va finir le toit. On va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire avec la maison en extérieur, mais bon, on va voir ça. Et ou alors, en tête, enfin, je pense qu'on va aménager les pièces en intérieur, pardon. On va aménager les pièces intérieures. J'aurais peut-être pas du tout changé en escalier, mais oh, quoique. Hop. Parfait. C'est nickel. Franchement, c'est nickel. Je suis content de ce que ça rend. Par contre, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Suis pas sûr.
Hop. C'est un peu relou là, ce truc en fait. Bon, bref, c'est pas grave. Ici, il va falloir qu'on mette des portes, mais je pense que ces portes s'intègrent bien. Ah! Non, pas ça. Oh, si ça va, c'est pas grave. Là, il faudra mettre une barrière ici. Une barrière, c'est avec des bâtons. Si je ne m'abuse. Oh, putain, faut que je regarde au creeper. Je vais me coucher et faire des bâtons. Ça y est, je repose. Ok. Alors oui, pour faire des bâtons, c'est pour ça que j'aurais pas dû tout transformer en ça là, parce que, alors déjà on va faire ça. Et du coup je n'ai plus de bois. Ah si, presque ça. Bon, je crois que c'est comme ça et comme ça. C'est ça. Ok. On va en faire hop 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 hop. 2, 3, 1, 2, 3. 9, je pense pas que ça suffira. Peut-être que si, finalement, je ne sais pas. On va voir ça. Ah! Je peux plus monter. J'ai fait un truc en trop. Ah oui, j'ai tout fini, je suis trop con. Je savais pas que tout que je fasse. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok! Ça, c'est vraiment la terrasse inutile, quoi. Elle est vraiment là pour dire qu'elle est là, mais en vrai, elle sert à rien, quoi. Donc pareil pour là. Ah non, j'ai pas assez, c'est parce que je pensais, je vais devoir aller couper du bois. Youh. Oh putain, faut que je fasse gaffe à lui. Hein. Ok, c'est bon. Bon, je rappelle, je suis en 1.10. Hein. Donc le cooldown des armes, tout ça. Ça ne change pas. Ouais. Est-ce qu'il me restait du bois? Oui, mais en fait j'en ai plus. Ah mais j'avais. J'en avais. Alors attendez, refaire. Alors la dirt, je vais l'acheter, j'en ai pas besoin. On va séparer ça en deux. Mais attends, ça fera même pas des barrières de la même couleur du coup. C'est pas grave, en fait, juste des bâtons. Voilà. Juste des bâtons, comme ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Et je fais ça. Et voilà. J'en ai re-9, ça devrait suffire. On va les poser ça. Et normalement, ça sera bon. On aura fini notre terrasse, les amis. Pour les plantations, ça va. Tout va bien. C'est pas. Ça pose pas une vitesse folle, 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 mais ça fait le taf, donc c'est parfait. Ah, j'en aurais pas assez. Oh! Ah, il m'en manque une! Il me manque une. Alors, un truc que je voulais check. Et j'arrive, je peux plus sauter du coup. Enfin, je peux regarder par là du coup. Il y a un truc que je voulais vérifier, c'est est-ce que. Ouais, c'est bon, c'est logique. Ça tient. Alors, ça tient, mais dans le souci de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire rendre la maison un peu moins plate, ce qu'on pourrait faire, c'est creuser en fait ici tout ça qui sert à rien. Ah, mais non, c'est la maison. LOL, c'est la maison. Pas creuser la maison. LOL, c'est la maison en fait. C'est pas grave, on fera des fenêtres et tout. Faire les fenêtres. Oui, donc du coup, c'est logique. Ok, très bien. Ça, c'est. Si, c'est bon, c'est la fin du toit. Bon, ça va. Attends, réfléchir à un truc. Mais si, genre, j'enlève ça. Qu'est-ce que ça fait? Non, je crois qu'on avait déjà posé cette question et on avait déjà répondu que c'était chelou. Et que du coup, non. Et du coup, on faisait pas ça. Hop. Ok! Rien d'intéressant. Rien non plus. Le pain. Oui, il faut qu'on fasse une dernière barrière. Le problème, c'est que je n'ai plus assez de bois. Alors, je pense qu'avec ça fonctionnera peut-être. Les bâtons. Ah non, ça fait un truc trop plus clair.
relou. C'est relou, c'est relou, c'est relou. Bah, je vais couper du bois, c'est pas grave. C'est pas grave. Faudrait qu'on ait un laser un jour. Même si j'ai pas grand intérêt à juste faire le portail pour voir un peu ce que ça donne. What? Mais j'en avais? J'ai pas fait attention. C'est le problème d'avoir un inventaire pas rangé. En fait, j'en avais. Complètement, j'en avais complètement. Je sais pas pourquoi je les ai pas vus, ces cheveux. Ce qu'on va faire, je pense qu'on va faire ça. On va essayer de faire des petits trous pour la fenêtre dans ma maison. Et après, on arrêtera ici l'épisode. Et ce petit live également. Et on se retrouvera demain pour du Minecraft. Avec les autres si ils sont disponibles. Alors, voyons voir. Je pense qu'on peut déjà essayer de faire. Bon, déjà, une petite fenêtre ici, ce serait pas dégueulasse. Peut-être une fenêtre d'angle, ce serait cool les fenêtres d'angle. J'aime bien les trucs comme ça. Après ça, on a rien pour faire de la. On a rien pour faire de la glace. Enfin, si, il faut du sable. On en a du sable, je pense. Faut faire cuire du sable, non? On a de quoi faire. Je crois qu'on a du sable. Non, en fait, je sais pas si on a du sable, mais en fait, il y en a forcément derrière, parce que on est sur une île en fait. On est sur une île, donc il y a forcément. Je pense qu'on a du sable, mais il y a de quoi en récupérer en tout cas. Oh, il y en a juste là, c'est parfait. Il y a même du charbon et tout, on n'avait même pas vu. Donc on va récupérer ça vite fait, histoire de faire nos premières vitres. Je vais faire une pelle. C'est toujours bien de faire une pelle. Ça vous économisera toujours du temps. Ah, j'en ai une. Nickel. J'avais que j'en avais une. Je m'en doutais bien. Voilà. Surtout pour ça. Ça vous permet de récupérer le sable super rapidement. Bah, du coup, j'ai pris une pelle. On va récupérer le maximum. On va tout faire cuire et puis voilà. Comme ça, on aura le temps pendant qu'on fait nos. Pendant qu'on fait nos. Nos trous pour les fenêtres, bah, on fera ça, c'est pas très bien. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Bah, j'en ai plus que 3. Hop, hop, on va séparer ça. Alors, touc, 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 touc. What? C'est quoi je fais ce bruit-là? C'est un mouton? J'ai presque plus de bouffe là. Ah, mais ça a pas mal poussé ici. Je vais aller récupérer ça. Alors, je vais rien mettre dans ma main pour récupérer directement le blé et les seeds. Voilà, alors il y a lui. Lui, 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 lui. Toc, voilà, on replante. Je dois replanter direct pour être sûr de rien oublier, mais bon, ça va. Ça va, et à chaque fois, du coup, on récupère un peu plus pour continuer ici. Et ça, c'est cool. Pas mal de carottes aussi, ça, c'est bien. Carottes, il n'y a pas de site de carottes, en fait, vous plantez directement la carotte dans la terre. Donc ça, son avantage et ses désavantages. Mais je trouve ça pas mal. Donc là, je vais m'en servir juste pour replanter à mort. Je vais en garder quelques-unes pour les manger tout de suite. J'ai pas envie de me faire du pain, là. Juste histoire de. Voilà, hop. Donc là, j'ai. Ah! Voilà, c'est pas mal. Niveau plantage de carottes, là, on est bien. Ah bah du coup, ça a poussé entre-temps. Donc parfait, pouf. Là, j'ai vu que là aussi. Et là-bas, ça vient de pousser aussi. Hop, on va tout récupérer. Va la chasse au squelette. Ah oui, je sais, ouais, pour avoir de la bonne mille, ouais. Mais bon, franchement, en fait, j'essaie de pas utiliser non plus d'engrais. On va dire ça comme ça, j'essaie de pas trop utiliser d'engrais non plus. Vraiment 100% naturel, quoi. Vraiment Minecraft 100% naturel. Là, ce qui serait cool, ce serait une grande baie vitrée, en fait. Parce qu'on a déjà une super vue. Donc ça serait génial d'avoir une énorme baie vitrée ici.
presque une baie vitrée qui pourrait s'ouvrir, enfin qu'on pourrait enfin mettre du verre aussi ici. C'est pas symétrique, voilà. On pourrait faire comme ça, une espèce de grande baie vitrée qui serait vraiment, vraiment très belle dans le salon. Ce serait vraiment sympa. Je pense que là on peut faire une petite fenêtre également de 3 blocs pour qu'elle soit symétrique et aussi pas trop mal. On pourrait faire ici une petite fenêtre de 2 blocs comme une petite meurtrière. Et ici pareil, peut-être une petite fenêtre de 4 blocs. Il faudrait essayer de faire des volets. Je pense que c'est possible de faire des volets sur Minecraft en se débrouillant. À voir. Et à l'étage, du coup, ce qui serait cool, alors ce que j'aimerais bien faire, ça serait pareil ici, une sorte de fenêtre en rond en fait. Alors je vois pas du tout comment on pourrait faire ça, mais en gros, un truc comme ça en fait. Un truc comme ça serait cool. Et ici, peut-être juste du verre là, comme ça. Juste deux trucs en verre comme ça. On va aller récupérer nos fenêtres. Alors plus tard, ce qui serait bien aussi, ce qu'on pourrait faire, ça serait de, eh bien, colorer ce verre. Et peut-être faire des fenêtres colorées. Peut-être. Ça pourrait être sympa. Alors je pense que là, on en aura assez. On va aller poser ça. On va aller poser ça. On va aller se coucher. Et on aura terminé cet épisode, je pense. Le pain, c'est bizarre, c'est consistant. Alors là, vous voyez, j'aurais fait un truc comme ça. Alors moi, je mets des blocs de verre. Je sais que certains mettent des vitres, mais je préfère mettre des blocs parce que j'aime bien que ça prenne tout en fait. Je sais pas ce que vous aimez. Moi, je préfère mettre des blocs. Voilà. Moi, c'est Minecraft à 100%. Sur mon texture pack, ça va. C'est pas trop choquant, c'est pas trop horrible. Donc, c'est cool. Voilà, c'est parfait. On aura enfin de la lumière naturelle dans cette maison. Et ça, c'est génial. Donc la prochaine fois, on s'attaque aux pièces. La prochaine fois, on fait les pièces. Et peut-être on va aménager tout ça. Donc faire un peu de déco, etc. Maintenant que la bouffe n'est plus vraiment un problème. On ramènera également nos fours. Voilà, c'est vraiment pas mal. On essaiera aussi de faire des sortes de... Peut-être... Alors peut-être là qu'autour on mettra du bois pour vraiment faire des fenêtres, mais bon, ça prend beaucoup de place donc on verra. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu en tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Des bisous à vous YouTube, et puis salut!